L'histoire du génocide des Juifs en Europe, c'est l'aboutissement de l'histoire d'une très longue exclusion. Et cette exclusion, elle a connu un certain nombre d'étapes qu'on ne peut pas réduire à l'antisémitisme. Et bien évidemment, il faut commencer par l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'histoire de l'Europe chrétienne est marquée par un antijudaïsme, le mot antisémitisme est plus tardif, un antijudaïsme virulent dans les textes fondateurs des Pères de l'Église, mais qui ne va se manifester réellement dans la pratique que dans le deuxième millénaire. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte de cette première étape-là qui va devenir l'antisémitisme au XIXe siècle, mais qui est marquée bien avant le XIXe siècle par des bouffées de violence massacreuses. Je pense au grand massacre d'Allemagne en 1298. Je pense aux grands massacres qui ont suivi la peste noire en Europe en 1348. Je pense à l'expulsion d'Espagne, bien sûr, qui va opérer une translation du judaïsme occidental, qui est à l'époque nombreux, je ne dis pas encore majoritaire, vers l'Europe orientale. C'est de là qu'est né le judaïsme d'Europe orientale, qui va devenir majoritaire au XIXe siècle. Et c'est celui-là que vont assassiner les nazis. Alors l'exclusion théologique, elle est connue. Elle s'est manifestée dès les premières croisades par les massacres. Elle s'est manifestée surtout par le Concile du Latran en 1215. Je rappelle que le Concile du Latran, c'est lui qui a institué la rouelle, la pièce de tissu jaune pour les Juifs, qui d'ailleurs n'est pas une mesure d'origine chrétienne, mais une mesure d'origine musulmane. Alors on pourrait penser à partir de là qu'avec les Lumières au XVIIIe siècle, qui prône l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire en fait l'égalité civique, juridique des Juifs à tous leurs concitoyens, à tous leurs compatriotes, on en finirait avec l'antijudaïsme. Bon. Eh bien, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'intégration, ou du moins l'émancipation, n'a pas du tout résolu le problème. C'est même l'inverse qui s'est produit. Plus les Juifs ont été émancipés à partir de la Révolution française, c'est la France qui, la première en 1791, émancipe les Juifs, et ensuite toutes les nations d'Europe dans la foulée française les émancipent les uns après les autres, en gros au XIXe siècle jusqu'en 1923 pour la Roumanie qui est la plus tardive. Donc on avait pensé qu'avec l'émancipation on en finirait avec l'antisémitisme, ce terme d'origine allemande forgé en 1879. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse qui se produit? Parce qu'à un moment donné, le Juif émancipé qui s'intègre, finit par disparaître en tant que juif dans l'espace public. Il l'est peut-être encore dans l'espace privé parce qu'il respecte les commandements, la cache-route, etc. Bref, sa foi. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les nations se fédèrent en Europe, elles se coalisent, et à partir du moment où la révolution sociale, économique, urbaine, crée une diversification sociale et une montée des classes moyennes, il y a une telle concurrence entre les classes moyennes instruites juives, parce que les juifs ont effectivement plusieurs générations d'avance en matière d'éducation et d'instruction. Je rappelle que par le Cheder, il n'y a pas d'analphabète juif chez les garçons, ce qui fait un fossé énorme entre l'analphabétisme des chrétiens à l'époque moderne et l'alphabétisation des juifs toujours à l'époque moderne. Eh bien, cette rivalité sociale, cette rivalité économique, cette concurrence, au moment précis où les nations se forgent et ont donc besoin pour se forger d'exclure une partie d'un élément considéré comme non national, va se focaliser sur les Juifs, un élément jugé d'autant plus dangereux qu'il n'est plus visible. Autant le Juif visible ne faisait pas peur, ou du moins était représenté, disons, la figure déicide, la figure du diable, si l'on veut, mais en même temps, comme il était repéré, on pouvait mieux le maîtriser, autant le Juif invisible fait peur, ajoutez à cela l'élément de rejet national et l'élément de rejet social, eh bien vous avez tout ce qui permet de conduire à cette conclusion, l'émancipation qui était prônée comme la solution à la question juive, et je mets question juive entre guillemets parce qu'il n'y a pas de question juive, l'émancipation va devenir le problème. Et voilà comment on en arrive au XXe siècle à une focalisation de la haine sur le facteur juif, sur l'élément juif. Autrement dit, la haine du juif qui est consubstantielle, hélas, au christianisme des origines, on est bien obligé de le reconnaître, même si ça fait un peu de peine aujourd'hui à nos amis chrétiens, mais enfin, il faut respecter l'histoire. On n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour dire ce qui a été. Eh bien, cette haine d'origine théologique est devenue une haine profondément sécularisée, laïcisée, une haine de type laïque. Bon, voilà le premier élément. Alors, quelle est la condition des Juifs d'Europe dans l'entre-deux-guerres? Mais avant de parler de la condition des Juifs d'Europe dans l'entre-deux-guerres, une précision. Le judaïsme mondial en 1930, c'est-à-dire avant que survienne la catastrophe, c'est combien d'individus environ? 15 millions, entre 15 et 16 millions à peu près. Combien vivent en Europe? Environ 11 millions. L'autre grand foyer, c'est l'Amérique du Nord. Le monde arabo-musulman, y compris le monde non-arabe mais musulman comme la Turquie et l'Iran, représente à peine 1 million d'individus.
et vous comptez environ 300 000 personnes dans le foyer national juif en Palestine. Donc le gros du judaïsme mondial, c'est l'Europe. Ne jamais l'oublier. Le gros du judaïsme européen, c'est la Pologne. Je donnerai deux chiffres. Un juif sur trois en Europe est un juif polonais. Un juif sur cinq dans le monde est un juif polonais. Et l'ensemble des juifs du monde arabo-musulman représente à peine un tiers des juifs polonais. Voilà. Une fois qu'on a dit cela, on peut dire qu'il n'y a pas une condition juive dans l'Europe d'avant-guerre, mais des conditions juives. Pourquoi ? Parce que l'émancipation qui a été initiée par la France et suivie par les autres, comme je l'ai dit à l'instant, cette émancipation, elle n'est pas encore un fait majoritaire dans le monde du XIXe siècle. Dans l'entre-deux-guerres, oui, elle est acquise. L'émancipation est un fait acquis. Et l'hétérogénéité des conditions juives, elle tient précisément à l'ancienneté de l'émancipation, au processus de laïcisation, à la force plus ou moins grande de la tradition religieuse dans les communautés juives, à la force plus ou moins grande des traditions linguistiques. On parle le yiddish en Europe orientale, on parle le ladino dans les Balkans. En revanche, en Europe occidentale, chez les juifs hollandais, belges, belges de nationalité belge, ils sont très rares, ou français de souche, par exemple israélite d'Alsace ou israélite du Bordelais ou du Comtat vénessin, on parle essentiellement le français, par exemple. Enfin, c'est la langue dominante. Et puis, il faut compter également avec l'émigration. L'émigration d'Europe avant 1914, des juifs d'Europe avant 14, c'est l'émigration des juifs russes. Et cela part pour l'essentiel non vers la Palestine, alors que le mouvement sioniste existe déjà, mais vers les États-Unis. Pour vous donner une idée, 2 millions de juifs russes quittent l'Empire entre 1881, date des premiers pogroms, et 1914. À peine 60 000 à 80 000 d'entre eux gagnent la Palestine, les autres, l'Europe occidentale ou les États-Unis. Donc, résumons, dans l'entre-deux-guerres, le grand réservoir du judaïsme européen et mondial, je dirais même sur un plan spirituel, intellectuel, religieux même, c'est la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Russie. La Russie, c'est un cas un peu à part parce que c'est l'Union soviétique et l'Union soviétique a profondément brisé les traditions culturelles juives, pas forcément par antisémitisme, même si l'antisémitisme, ils n'en sont pas exempts, mais essentiellement par lutte antireligieuse. Donc autant ils ont fermé les églises qu'ils ont fermé les synagogues ou les temples protestants. Bon. En Pologne, parce qu'il faut s'intéresser davantage à la Pologne, l'entre-deux-guerres est marqué par une condition précaire. La Pologne a été obligée par le traité de Versailles à reconnaître les droits des minorités, donc de la minorité juive. Il y a 10% de juifs en Pologne. C'est la plus forte minorité juive du monde entier. Bon, je laisse le foyer palestinien à part parce que ça n'est pas le monde entier. C'est autre chose. En Pologne, ces juifs qui sont soumis à un antisémitisme violent, puissant et de l'Église et de la société civile ont une émancipation récente, 1921. Ils sont soumis à une vague de pogroms très violente en 1935 et 1936 et cette communauté juive, qui est dans l'immense majorité des cas une communauté d'artisans et de petits commerçants, est très vive sur le plan culturel. Je rappelle simplement qu'il y a, dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, 250 journaux juifs qui paraissent régulièrement, et que cette judaïté polonaise est essentiellement une judaïté yiddishisante. 80% des juifs polonais ont le yiddish comme langue maternelle. La Russie soviétique, c'est différent, parce qu'autant la Russie soviétique a cassé officiellement l'antisémitisme, la Russie bolchevique, je veux dire, autant elle a permis à la culture yiddish dans un premier temps de s'épanouir, autant elle a brimé en revanche les mouvements socialistes juifs comme le Bund et les mouvements sionistes, totalement. Et donc du côté de la culture hébraïque, ça a été l'étouffoir. Et à partir des années 34-35, avec la grande vague de répression qui touche l'ensemble de la société soviétique, là on peut dire que même la culture yiddish a été totalement brimée. Et il n'y a pas là seulement une volonté de répression religieuse, il y a également une volonté, je dirais, un soubassement antisémite qui est indéniable. Et puis il reste le troisième morceau, sur lequel je terminerai, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un grand foyer du judaïsme dans les années 30. Combien ? 550 000 juifs. Pourcentage par rapport à la population globale ? Moins d'1%. Il faut toujours se référer à ce pourcentage, parce qu'à part la Pologne, on a toujours des pourcentages dérisoires qui sont entre 1 et 4%. Pas plus. 4%, c'est un chiffre maximum qu'on trouve par exemple dans des pays du Maghreb, comme le Maroc, qu'on trouve rarement en Europe, par exemple en Allemagne ou en France. C'est toujours moins de 1%. Aux Pays-Bas, en Belgique aussi. En Allemagne, on peut dire qu'on a affaire à une tradition anti-juive très ancienne, qui remonte au moins au Moyen-Âge, et pas seulement à Luther, qui est aggravée par le protestantisme luthérien à la fin de sa vie. On connaît le texte de Luther contre les juifs et leurs mensonges en 1543, qui prône l'extermination physique, je dis bien physique, des juifs. Et
On pourrait s'attendre à ce qu'avec les lumières d'Allemagne, je rappelle que l'Allemagne est une terre des lumières et pas seulement des antilumières, ce qu'on appelle l'Aufklärung, eh bien avec les lumières d'Allemagne qui ont donné naissance à la Haskalah juive au XVIIIe siècle, l'antijudaïsme s'atténuerait. En fait, il n'en a rien été, parce qu'à partir du XIXe, pour des raisons propres à l'Allemagne, qui tiennent à la constitution tardive d'un État-nation, dans la foulée d'une grande défaite allemande à Iéna contre le nationalisme français, l'Allemagne, qui a du mal à se constituer comme État-nation, a besoin de focaliser le rejet sur un élément considéré comme non-allemand de souche, c'est l'élément juif. Parce que le nationalisme allemand, au contraire du nationalisme français issu de la Révolution, n'est pas un nationalisme de culture ou un nationalisme de contrat, c'est un nationalisme de race, de sang, de sol, de tradition. Autrement dit, on naît du verbe naître allemand ou on ne naît pas allemand. On naît du verbe être allemand ou on ne le sera jamais. En clair, vous pouvez être né et revenir, descendre d'une famille allemande depuis 5 siècles, 6 siècles et parler l'allemand mieux que Goethe. Si vous n'êtes pas de sang allemand, l'antisémite allemand du 19e siècle vous dira que vous ne serez jamais allemand. Donc il y a là tout le condensé d'un rejet des juifs dont le nazisme va être finalement le collecteur. Il ne va rien inventer, il va simplement hériter d'une tradition profonde. Bon. Donc la communauté juive allemande, avant la guerre de 1914, affronte un antijudaïsme qui devient antisémitisme. Le mot est d'origine allemande et ça n'est pas étonnant parce que l'antijudaïsme est une notion religieuse, l'antisémitisme est une notion raciale. Est une notion raciale totalement absurde, parce qu'il n'y a pas de race sémite. Il y a des langues sémites, mais pas de race sémite. Bon. Eh bien, ces juifs d'Allemagne, d'avant 1914, sont confrontés déjà, malgré l'émancipation de 1871, à des mesures d'exclusion qui ne disent pas leur nom. Par exemple, il y a très peu d'officiers juifs dans l'armée allemande. On en compte à peine une vingtaine, sur au moins 50 à 60 000 officiers. Et ces juifs qui se sentent progressivement exclus, ils vont focaliser sur eux tout le ressentiment des couches allemandes, des couches moyennes allemandes, pardon, toute tout le courant de l'antisémitisme, du pan-germanisme et du racisme allemand qui va constituer les antilumières, dont les nazis ne seront que les héritiers, je l'ai dit à l'instant, et ne seront en aucun cas les initiateurs. En clair, je veux dire qu'en 1914, les bases sont déjà jetées en Allemagne sur un grand nombre dans un grand nombre de domaines, pour une exclusion des juifs à grande échelle. Et cette exclusion des juifs, elle va devenir une exclusion à très grande échelle à cause de la défaite de 1918, dont les juifs seront jugés responsables. Un dernier mot. En 1916, en plein combat, l'Allemagne est le seul pays d'Europe à organiser un recensement des juifs combattant sur le front. Pourquoi ? Parce que la rumeur court en Allemagne que les juifs sont des planqués, qu'ils sont en deuxième ligne et qu'ils mettent évidemment les soldats chrétiens en première ligne. L'enquête est menée jusqu'au bout. Les résultats ne seront jamais publiés avant 1932. Autrement dit, pendant 16 ans, on a laissé entendre en Allemagne que les juifs étaient des planqués. Et quand l'enquête a été publiée en 1932, elle montre que les juifs étaient sur le front en première ligne exactement comme les autres et qu'ils ont eu le même pourcentage de pertes que les citoyens allemands non juifs.